Stade de France, le plus grand Stade de France, et pour nous tous, déjà des souvenirs mémorables dans ce géant dionysien. C'est avec bonheur que Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Hello, my dear. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. Match. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Peut-être Ezequiel Garay. C'est un défenseur central agressif, rusé. En tout cas, il n'a pas froid aux yeux. Il ressort toujours proprement, même sous la pression. Ah oui, pourquoi pas? Je pensais à un attaquant, mais ça pourrait tout aussi bien être un défenseur. Pas de chance sur ce coup! C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Oui, il y avait bien faute. Garay. Anioukov. C'est reparti, ils peuvent contrer. Oh, la grosse occasion! Oui, il peut frapper là! Et il marque! Ça y est, ce match est vraiment lancé. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. On pouvait s'attendre à un but rapide dans cette rencontre, mais pas sur cette cage-là. Maurice Bellet. C'est joué long, attention. Il a du champ sur le côté. Il déclenche son centre. Il met la tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Il y avait du monde dans la surface, là. C'était une belle occasion. Oh, c'était pas loin. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Real maintenant. N'Gog. Maurice Bellet. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, le but! Le voilà, le renard! Le voilà, le buteur!
Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. C'est rare de voir une telle puissance, c'est spectaculaire aussi. Quelle puissance, c'est merveilleux. Allez l'arrêter celle-là, tiens. Le Zénith Saint-Pétersbourg, il compte maintenant deux buts de retard, incroyable. Zirkov. Et la porte s'est refermée. Et le ballon qui passe de l'autre côté. Real maintenant. Le jeu repart vers la droite. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Voici un bon centre. Oh, ça a touché la transversale. Zirkov. Pas hésiter, c'est propre. Il joue dans l'espace. À la régulière, il est battu, joli tacle. Dans la boîte. Oh, la tête ! Nouveau but dans ce match. Oh, ils ont trouvé le bon rythme là, quelle efficacité ! Ah, ça, c'est un beau coup de tête, mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du centre. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête, alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Et le doublé. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Il essaye de faire la différence côté gauche. Zirkov va avoir besoin de soutien là. C'est joué loin devant. On en restera là pour cette première période. Ils ont fait peut-être la meilleure mi-temps de leur vie. Ils ont une avance confortable, mais attention à ne pas relâcher l'effort en deuxième période. C'est un avantage certain, 3-0. Allez, on est reparti. Dani. Longue ouverture. Dans le dos de la défense. Allez, ça peut faire mal. Allez, jusqu'au bout. Le ballon sort du terrain. Dani. La faute. On se rassemble autour de lui, histoire d'évaluer la gravité de la blessure.
Lindelof. Javi Garcia. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Maurice Bellet, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. C'est bien ce qu'il fait côté gauche, mais ça manque de soutien. Et le centre bien placé. Danger écarté. Et le geste plein d'autorité, quel tacle. Il peut repiquer dans l'axe. En jeu, dommage. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Le bon service. Jorge Molina lève la tête, il cherche un appui. Le centre. Le bon dégagement. Il envoie le ballon dans l'axe. Il met la tête. Encore une chance. Et il trompe le gardien. Oh, le résultat est déjà assuré, mais il continue. Il continue. Le gardien n'a pas pu reproduire l'exploit. Il avait bien suivi en misant justement sur une erreur du gardien. Le tir a été difficile à capter. Bien joué. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Quelle course sur l'aile droite, mais il faut l'aider maintenant. Il progresse encore. Il est en bonne position pour centrer. Javi Garcia. Une occasion. Énorme occasion. Oh, ça passe à gauche du poteau. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. La frappe, attention. Il avait tout mis dans cette frappe. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur à part, du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Lomberts. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Quel match, quel match, quelle démonstration. Ils ont montré tout leur savoir-faire offensif aujourd'hui. Ils étaient vraiment largement au-dessus. C'est un succès pour l'équipe qui avait plus envie de jouer vers l'avant, de prendre des risques, de passer par les ailes. Tout simplement, à mon avis, c'est une victoire pour le football. Vous voyez, parfois, le foot est très simple. On s'appuie sur ses points forts pour trouver des solutions. Aujourd'hui, les points forts, eh bien, c'était sur les ailes, et la victoire est venue de là.